tout le monde. Bonjour. Ben, on a quitté notre précédent spot pour aller au Cascadas de Las Nubes. Le plein, hein? Oui. Parce que il n'y a pas avant combien 4 heures de route? Oui, pas avant 4 heures de route. On a une autonomie de 200 km encore, mais ce ne sera pas assez. Donc on n'a pas le choix. Ou alors il faut faire une heure de trajet aller-retour. Et voilà, l'essence. Il y a la pompe qui est là, hein? Ah oui. Mais tu vas te servir là avec les carafons. Alors faire une heure aller-retour de détour, même si tu le payes plus cher, c'est plus intéressant ici. Hein? Oui. No, I diesel. Non. Ah, dans des diesel. Diesel, si. Ok. Bon. Heureusement que j'ai une menthe. Si j'avais pas pensé à le demander, mettez de l'essence, il aurait tiré le camping-car. Bon, ben, il n'y a pas de diesel ici. Ah. Oh, s'il fallait faire demi-tour. Non, il y en aura bien qui a du diesel. Hein. Ah. On va voir. Next. Il faut faire maintenant 1h30 de route. Aller-retour pour aller à la pompe à essence. Donc, il faut faire demi-tour. Ou alors, on verra sur la route. Ici, on va prendre 15 litres. On avait une autonomie de 200 km, ben 15 litres, ça nous ferait une autonomie de 300. J'espère qu'on trouvera d'ici là, on ne sait pas combien on va payer. Je vais encore stresser, punaise, c'est la totale. C'est le premier gros stress, hein. On dirait que c'est de l'eau, mais enfin, on verra. Je vais payer 30 pesos le litre. Ah ouais. Et là, on a... Bah pourtant, tu crois qu'il n'y avait que 10 litres? Ouais, non, il y avait plus. Je sais pas, 13 litres à mon avis. Donc on a payé très cher. Mais c'est ça, ou faire demi-tour, ça nous coûte... La même chose, hein. Plus cher au carburant. Donc, on va voir. D'après lui, il y aura moyen d'avoir du diesel plus loin, parce qu'ils ont des bidons, mais c'est cher comme essence. Première drôle d'expérience. Oui, il fallait le savoir. Bon, donc, à partir de Saint-Lac, Oui, donc c'est la route 307 qu'on prend qui va jusqu'à Palenque et là, il y a rien. Oui, donc faites le plein. Surtout si votre GPS dit que c'est la dernière pompe à essence, prenez-la, faites le plein. Oui. Verdoyant, hein, comme décor. T'es rassuré, mon chouchou. Bah, on va voir si c'est de la bonne qualité. Et pourquoi tu ne mets pas ton produit, ton additif? Oh, j'ai mis quand même à la pompe sans mélanger, j'ai pas pensé, j'ai pensé trop D'accord, tard. Ok. C'est bon à droite? Oui, c'est bon. Voilà, on a remis 50 litres. On a remis 50 litres, on est où ici? Pacaya. Quelque chose comme ça. Payaka. Al Payaka, je sais pas. Ça commence par PA. Et donc on est tranquille jusqu'à Palenque, normalement.
pas payé plus cher qu'à la pompe à essence. Non. Pas Cayal. Ouais, j'étais pas loin. Ouais. Voilà, comme ça, tu stresses pas, tu coules. Mais... On vous emmène à notre premier spot dodo. Enfin, premier, je dis premier parce qu'on a plusieurs options. Aller au suivant. Le suivant, c'est plus loin par là. Ah. Il n'y a jamais de camping-car qui sont puissés. Et pourquoi pas? Ça va tout seul. Il y a de l'eau là à gauche. Ah oui, ça. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau là. Donc, c'est peut-être quand même bien le bon endroit. La couleur est belle. On aperçoit du turquoise. Voilà. Allez, vous allez découvrir en même temps que nous. Attention au plafond. Au toit. La rivière. Et parfois, on se dit, oh, mais l'endroit a l'air tranquille. Il n'y a personne. Et toi, tu me fais quoi? Tu me fais ça, c'est ça? Vas-y, t'as fait quoi? Tu vas dormir là, toi? Mais on ne sait même pas ce qu'il y a. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et puis quand on prend la musique. Ah ben il est venu ici en moto. Je sais pas. Non. Voilà d'où vient la musique. Il y a Chouchou, il a peur de passer alors qu'il passe avec les motos. Enfin, il attend quand même. Hein. Voici donc les cascades de Las Nubes.
Hello tout le monde. Bonjour à tous. Alors, tu étais en stress, hein, vous avez vu ça, hein? Quelle affaire, hein? Enfin, tout s'est bien terminé. Oui. Un peu de stress, mais j'ai dit été plus stressé que ça. Ouais. Vous le verrez dans une vidéo prochaine où je suis devenu fou. J'ai presque eu les larmes aux yeux. Ah, moi, j'ai... Ça s'est très mal passé dans Tu crois que ça ne le fait pas pour moi, mais... J'étais prêt à revenir en Belgique dans une des vidéos suivantes. Et en plus, après, on a encore une merde que vous verrez. As-tu une devinette pour la fois prochaine? Oui. Vas-y. C'est au Canada. On voyage. Au Québec. Ah. Il a neigé toute la nuit. Et alors, il y a un type qui se lève au matin. Il regarde par la fenêtre et il voit qu'il y a deux fois plus de neige dans le jardin de son voisin. Comment ça se fait? Pourquoi? Et il n'y a personne qui a ramassé la neige. Non, tout le monde se lève, il est 5 heures du matin. Il n'y a pas de chasse-neige qui est passée, rien du tout. C'est une question de sixième. Logique. De deuxième primaire. Ok. Et de logique. Et moi j'ai une autre question. Quel format est-ce que vous aimez dans les vidéos? Est-ce que vous préférez des petites vidéos comme ça de un quart d'heure? Ou vous préférez les longs formats de 30 minutes? Voilà. Ou 20 minutes, ou 10, petit commentaire. Je ne sais pas, oui, dites-nous quoi. Oui, un petit commentaire. Ne dites pas quoi, hein. Dites-nous quoi, dites-nous ce qu'il en est. Dites-nous ce qu'il en est, pas la belge, ouais, de quoi. Allez, à bientôt, salut. Salut. Vous aimez les Frabiz, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Si vous aimez les Frabiz, abonnez-vous. Belgeonne. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce et encore mieux vous abonner. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et vous aurez du ciel bleu.